Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou avec un beaucoup derrière? Attends. C'est une question qui porte à réfléchir. Les petites fesses sont les meilleures fesses. Trop d'avantages. Mais chérie, tu as ton petit derrière, ne t'inquiète pas. Ça ne court pas. C'est que tes fesses sont comme ça. Comme le mec de pistache. C'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie. Wait, America, this is Africa. Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou les femmes avec un beaucoup derrière? Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou les femmes avec un beaucoup derrière? C'est le devant ou le derrière? Le derrière. Est-ce que vous préférez les femmes avec beaucoup devant ou les femmes avec beaucoup derrière? Bon. Chez moi, je préfère les femmes neutres. Oui, déjà, elles n'ont pas beaucoup et elles n'ont pas aussi trop. Toujours d'avant, les petites filles sont d'abord facilement manipulables. On prend comme ça, on dépose, on fait comme ça, on met en haut, on bloque. Très facile. Et tu ne t'essouffles pas. Jamais, tu ne seras pas essoufflé comme les grosses fesses, c'est que tu sors de l'étang essoufflé comme si tu avais fait un tour du sol et du sol clair. Donc ils sont moyennes. Oui, moyenne quoi. Non, mais à premier abord, quand tu vois une femme, qu'est-ce qui t'attire chez elle? Bon, pour moi, c'est d'abord son derrière. Bon, c'est vrai que tu regardes d'abord sa face. Oui. Mais bon, la face vient en deuxième position. Tu attends d'abord et tes traverses. Vu que par exemple, elle est bon, puis tu vois une fille, elle est de tout. Comment tu peux voir la face? Bon, c'est de qui va t'attirer avant, de regarder maintenant. D'accord. Alors, je te remercie, mon frère. D'accord. Hey, laisse les gens. Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou les femmes avec un beaucoup derrière? Je préfère les femmes avec le beaucoup derrière. Avec le beaucoup derrière. Pourquoi ça? Pourquoi le beaucoup derrière? Parce que c'est ce qui a attiré à la première vue. Mais à première vue, on voit le beaucoup devant. Mais après, donc, on regarde d'abord le derrière. Le beaucoup devant, c'est temporaire. Mmh. Mais maintenant, le beaucoup derrière, c'est ce qui attire le plus. Pardon? Ce qui attire le plus. Donc, quand tu regardes une fille, tu t'en passes d'abord un peu de son devant. Tu essaies qu'elle te traverse un peu, comme ça, tu guettes un peu le derrière. Voilà, surtout si elle a un bon parfum. D'accord, mon frère, je te remercie. Ok, merci. J'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou avec un beaucoup derrière? Attends. C'est une question qui porte à réfléchir. Ah bon? Oui. Et pourquoi ça? Je préfère le derrière quand même. What? Pourquoi le derrière? Parce que derrière, quand c'est gros, c'est bien. Et devant, ça ne goûte pas. Ah bon? Oui. Quand c'est gros derrière, là, c'est bien. On regarde plus le derrière que le devant. Ah bon? Mais quand tu vois une fille au premier abord, qu'est-ce qui t'attire chez elle? Le derrière. Le derrière. Si elle veut faire elle-même les. Ah bon? Non, ça veut dire que tu regardes d'abord. Lorsque tu la vois de face, tu regardes d'abord son derrière. Non, tu laisses tes traverses un peu, tu regardes d'abord son derrière. Non, tu règles tes yeux maintenant. What? C'est comme ça, non? Tu le regardes pour ainsi te tenir. Elle passe, tu te tournes, c'est comme ça. Et tous les hommes font ça, même l'enfant de 5 ans. Move! Bon, non, c'est ça. Je te remercie, mon frère. Okay. Est-ce que pour vous, lorsque vous accostez une femme, qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est le devant ou le derrière? Le derrière. Ah, donc pour vous, la priorité, c'est le derrière. Oui, elle doit avoir un gros derrière. Un gros, mm-hmm. Il faut préciser, un gros. Et joli. Et joli. Ah, le derrière est joli comment? Quand c'est arrondi? Quand c'est attirant, non? Ça dépend des habits qu'elle a portés. Ça dépend de l'habit qu'elle a porté. Oui. Donc, en plus du derrière, il faut que l'habit aille avec. Oui, que l'habit aille avec. Ah, mais c'est super. Donc, ça veut dire que le devant, vous ne regardez pas? Non, le devant doit aussi compter, mais le devant n'est pas la priorité. Ah bon? C'est pas la priorité, c'est le derrière. C'est le derrière. Et pourquoi ce choix? Comment on dit, c'est plus au niveau sexuel. Ah bon? Oui. C'est plus sur le niveau sexuel. Oui. Donc ça veut chaque dire personne que... a sa préférence. Moi, je préfère le derrière, d'autres qui préfèrent le devant. En vrai? Mm-hmm. Ah ok, selon c'est moi. Super.
C'est super. Donc, merci vraiment, merci de ton avis. De rien. Lorsque vous regardez une femme, qu'est-ce qui vous attire? C'est d'abord le devant ou alors c'est le derrière? Bon, vous avez d'abord parlé du devant ou bien le derrière. Oui, c'est ça. Bon, il est vrai que ça dépend de chaque personne, mais lorsqu'on parle du vrai amour, puisque là je pense à entrer dans le domaine de l'amour, je pense que c'est plus le cœur qui m'intéresse le plus. Si, et aussi le comportement. Donc, je ne m'intéresse pas plus particulièrement à la morphologie. Sans te couper, en fait, quand on parle de première vue, ça veut dire tu viens de voir une fille, bon, tu ne connais pas encore son comportement. Qu'est-ce qui te fait aller vers elle? Vers elle? Bon, on peut dire la beauté. Bon, en fait, je veux dire le devant. Le devant, voilà. Ça veut dire que pour vous, alors, c'est le devant. Oui, bon, on peut dire comme ça, mais quand je parle du devant, je ne suis pas peut-être dans le sens que peut-être vous avez, mais moi, je parle plus de la face, comment la face se présente, ainsi de suite. Ça, là, ce serait un grand problème. Donc, en gros, je reviens à vous, le devant. Le devant, ok. Donc, ça veut dire que lorsque vous accostez une fille, ce qui vous attire à première vue, c'est son devant déjà. Oui, et le derrière, c'est négligeable, c'est un détail. Oui, bon, c'est un détail quand même. Pour moi, c'est un détail. Donc, s'il y a le devant, là, Sarah, tu es sérieux, frère? Ça dépend. Moi, je suis en train de dire que, bon, quand moi, je rencontre une fille, ce qui m'attire d'abord chez elle, d'abord, c'est le devant. Mais après, maintenant, voilà, on regarde un peu le derrière. Oui, si possible. Si possible, donc si on n'a pas le derrière... Il peut arriver qu'on poursuit par là. Mais puisque vous avez parlé de la première vue, moi, je suis à la première vue. C'est le devant qui m'a attiré. Ok, voilà, nous te remercions beaucoup pour tes réponses. Je vous remercie. Merci, au revoir. À première vue, lorsque tu regardes une fille, qu'est-ce qui t'attire à première vue? C'est le devant ou alors c'est le derrière? C'est tout ça. Là, je vais rester calme, mais la vie de ma mère, sale petit nul. Aïe! Mon dos. Donc c'est tout ça, donc tu n'as pas un choix, tu n'as pas une priorité. Non. Donc, s'il n'y a pas le devant, il n'y a pas le derrière, tu n'es pas dedans. Non, je n'ai pas encore cherché quoi là-bas. Hey, donc, s'il y a le devant, il n'y a pas le derrière. Ça n'a pas encore passé. Donc, ça veut dire que tu peux faire le devant? Beaucoup, un peu plus. Ok, donc, ça veut dire qu'on comprend donc que pour toi, la priorité, c'est le devant. D'abord. Le derrière, on peut regarder après. Ok. Oui. Mais s'il n'y a pas le derrière là... Hey, ça serait difficile. Hein. Très difficile. Ok, gars, nous te remercions. Hein. Merci beaucoup. Pour vous, une femme, lorsque vous voyez une femme, vous préférez celle en fait qui a un beaucoup devant ou un beaucoup derrière? Beaucoup derrière. Un beaucoup derrière. Et pourquoi ce choix? Le derrière qui m'attire le plus, contrairement au devant. Donc, le derrière attire le plus, dans le devant, c'est négligeable, c'est pas assez important? Bon, bref, le devant n'est pas négligeable, mais de préférence derrière. De préférence derrière. Donc quand c'est derrière, là, tu es sûr que ça va aller, ça va s'assurer, il n'y aura pas de problème après. Parce que lorsque tu vois faire la vue d'ensemble, lorsque tu vois une femme, la première attention qui t'attire d'abord chez elle, c'est son derrière. Ah, pour toi, c'est d'abord son derrière. Son derrière. Ah, ok. Nous te remercions. Merci. Est-ce que vous préférez les femmes avec beaucoup devant ou les femmes avec beaucoup derrière? Oui, je préfère les femmes avec beaucoup derrière. Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Avec beaucoup derrière. Et pourquoi ça? Parce que ça me plaît. Le derrière. Pourquoi pas le devant? Le devant, ça me plaît pas. Quand tu vois une femme au premier abord, qu'est-ce qui t'attire chez elle? Bon, c'est d'abord le derrière et la poitrine. La poitrine, donc le devant aussi. Mais tu préfères quoi plus, la poitrine ou bien les fesses là? Ouais, je préfère les fesses. Les fesses? Je te remercie, mon frère. Ouais, merci. Je suis une bombe, mais je parle pas. Est-ce que vous préférez les femmes avec beaucoup devant? Pourquoi pas de préférer les femmes? Ou les femmes avec beaucoup derrière? N'importe partout. Donc, le choix? Le choix, mais le derrière là. Tu préfères le derrière? Oui. Pourquoi pas le devant? Le devant est prioritaire d'abord. D'accord. Et quand tu vois une femme au premier abord, qu'est-ce qui t'attire chez elle? Bon, le comportement d'abord. Oui. Le comportement. En plus. Mais
la morale. Pardon? Pardon? Oui, mais quand tu vois une femme pour la première fois, tu ne connais pas encore son comportement. Qu'est-ce qui te fait partir vers elle? La réaction. La réaction. Ses réactions. Son feeling. Oui. D'accord. Oui. Je te remercie. Merci, Mia. Est-ce que vous préférez les femmes avec un beaucoup devant ou les femmes avec un beaucoup derrière? Ça dépend, ça dépend. Il y a d'abord la corpulence que je juge avant de voir le devant ou le derrière. Ouais. Mais j'aime plus d'abord le devant. Le devant. Oui, oui. Au premier abord, c'est vrai que c'est ça qu'on voit, donc c'est ça qui t'attire le plus. C'est d'abord ça qui m'attire. Et pourquoi ça? Quand tu touches avec les mains et la langue, c'est... C'est la magie. C'est la magie. What? Et le derrière, c'est quand même ça qui passe le marché le plus. J'en dis qu'on vient pas, mais chacun a ses goûts. Mm-hmm. Ouais. Je peux pas dire... Ça attire tout le monde quand même, mais je préfère plus le devant. Tu préfères plus le devant. Ouais. Je te remercie, mon frère. Okay, pas...